Chers enfants, je remercie Mgr René Marie Nunzu, évêque de Porto-Novo et responsable de la pastorale sociale de la Conférence épiscopale du Bénin, pour cette parole d'accueil. Je dis merci aussi à M. le curé et à Aïcha pour ce qu'ils m'ont dit en votre nom à tous. Après ce beau moment d'adoration, c'est avec une grande joie que je vous salue. Merci d'être venu ici en si nombreux. Dieu notre Père nous a réunis autour de son Fils et notre frère, Jésus-Christ, présent dans l'hostie consacrée durant la messe. C'est un grand mystère devant lequel on adore et on croit. Jésus, qui nous aime tant, est vraiment présent dans les tabernacles de toutes les églises du monde, dans les tabernacles des églises de vos quartiers et de vos paroisses. Je vous invite à le visiter souvent pour lui dire votre amour. Certains parmi vous ont déjà fait leur première communion, d'autres s'y préparent. Le jour de ma première communion a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Pour vous aussi, n'est-ce pas? Et pourquoi cela? Ce n'est pas seulement à cause des beaux vêtements, ou des cadeaux, ou même des repas de fête. C'est surtout parce que ce jour-là, nous recevons Jésus-Christ pour la première fois. Quand je communie, Jésus vient habiter en moi. Je dois l'accueillir avec amour et l'écouter attentivement. Au fond de mon cœur, je peux lui dire par exemple, Jésus, je sais que tu m'aimes. Donne-moi ton amour pour que je l'aime et que j'aime les autres avec ton amour. Je te confie mes joies, mes peines et mon avenir. N'hésitez pas, chers enfants, à parler de Jésus aux autres. Il est un trésor qu'il faut savoir partager avec générosité. Dans l'histoire de l'Église, l'amour de Jésus est rempli de courage et de force, tant de chrétiens et même des enfants comme vous. Ainsi, Saint Quisito, un garçon ougandais, a été mis à mort parce qu'il voulait vivre selon le baptême qu'il venait de recevoir. Quisito priait. Il avait compris que Dieu est non seulement important, mais qu'il est tout. Et qu'est-ce que la prière? C'est un cri d'amour, poussé vers Dieu notre Père, avec la volonté d'imiter Jésus, notre frère. Jésus partait à l'écart pour prier. Comme Jésus, je peux moi aussi trouver chaque jour un endroit calme, où je me recueille devant une croix, une image sacrée, pour parler à Jésus et pour l'écouter. Je veux aussi utiliser l'Évangile. Je garde ensuite dans mon cœur un passage qui me touche et va m'aider durant la journée. Rester assez un peu de temps avec Jésus lui permet de me remplir de son amour, de sa lumière et de sa vie. C'est l'amour que je dois dans la prière. Je suis appelé à donner à mon tour, à mes parents, à mes amis, à tous ceux avec qui je vis, même à ceux qui ne m'aiment pas, et aussi à ceux qui je n'apprécie pas beaucoup. Chers enfants, Jésus vous aime. Demandez aussi à vos parents de prier avec vous. Parfois, il faut les pousser un peu. N'hésitez pas à le faire. Dieu est si important que la Vierge Marie, sa mère, vous apprenne à l'aimer toujours plus à travers la prière, le pardon et la charité. Je vous confie tous à elle, ainsi que vos familles et vos éducateurs. Regardez. Je sors un chandelier de ma poche.
Le chandelle, comme l'instrument que vous utilisez pour prier. Il est simple de prier le chandelles. Peut-être le savez-vous déjà. Sinon, ma mère n'a pas de vous apprendre. D'ailleurs, chacun de vous recevra un chandelle à la fin de notre rencontre. Lorsque vous l'aurez en main, vous voulez prier pour le pape, je vous demande de le faire, pour l'Église, et pour toutes les intentions importantes. Et maintenant, avant que je vous bénisse tous avec grande affection, faisons ensemble un je vous salue Marie, pour les enfants du monde entier, spécialement pour ceux qui souffrent de la maladie, de la faim et de la guerre. Prions maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, le Seigneur vous bénisse toujours.